Salut YouTube et bienvenue sur une vidéo où on va essayer de tester de fond en comble le nouvel objet maudit de la Monkey Paw, baby. La Monkey Paw, la patte de singe, si t'es pas au courant, il y a une nouvelle update sur Phasmophobia, je te mettrai le patch note et ma découverte en haut à droite dans les fiches. Comme tu peux le voir dans Objet Maudit, il y en a un nouveau, une patte de singe où tu peux faire des souhaits au nombre de 5. Alors il y a plus de 5 souhaits différents, mais tu peux en avoir 5. Par game, on va tester ça, le chat est chaud, le beat est à la main, évidemment. On s'est mis en mode, on ne perd pas de santé mentale, mais on s'est mis à 75, pour voir si utiliser la patte de singe nous fait perdre de la santé mentale, ou alors, est-ce qu'on peut avoir plus de santé mentale. Bref, on va essayer de trouver les réponses, on va essayer de tout découvrir. À mon avis, on va pas tout découvrir dès le début, mais c'est ça qui est beau, c'est ça qui est bon. On est parti, mesdames et messieurs, on teste ça sur une Tanglewood. Let's go, baby! On a plein de tests à faire, on a plein de tests à faire, on a plein de tests à faire, c'est trop bien. Alors, on a plusieurs voix. Alors, on sait déjà que si on lui demande, je souhaite avoir... alors oui, YouTube, tu t'es peut-être pas au courant, ça m'a mis, j'ai mis un petit moment à m'en rendre compte. Mais tu l'actives en parlant, c'est comme la Spirit Box, la Monkey Paw. Il suffit de lui demander, je souhaite quelque chose. Donc on sait déjà que si tu dis, je souhaite la neige, je souhaite machin... Ça te change le, ça te change la météo en fonction. Donc ça, on va pas le tester. Puisqu'on est limité à 5 vœux. On va tester d'autres vœux, tu vois. Des trucs plus, plus corsés. Plus compliqués. On va remettre le courant. Donc la Monkey Paw, elle est sur la Tanglewood. Dans l'armoire juste là. Tac, on la prend en photo. La petite photo des familles, bien sûr. Et maintenant, on va commencer à faire des tests. Alors, on va... Je vais couper le micro. On va commencer par dire je souhaite voir le fantôme, ce qui va nous permettre de voir du coup le fantôme. Et je veux voir aussi si ça nous enlève de la santé mentale. Je te rappelle qu'on ne peut pas perdre de santé mentale dans cette game et qu'on est à 75. J'ai envie de voir le temps de période de grâce aussi. On est parti. Est-ce que j'ai un appareil sur moi? Yes. Alors, est-ce qu'il pop toujours à côté de nous dans sa salle? Je ne sais pas. Tout de suite la réponse. Je souhaite voir le fantôme. J'ai pris la photo. Ok, je dirais que la période de grâce, contrairement aux autres objets maudits, vous savez, quand vous utilisez un objet maudit, la période de grâce devient de 1 seconde. Je dirais que la période de grâce, elle n'a pas changé. Elle est de 3 secondes, comme en professionnel normal. On est sur une base de pro. Donc, ça fait apparaître le fantôme et ça démarre une chasse. Attendez ma lampe torche. Ouais, c'est entre 3 et 5 secondes. C'est comme le cercle, en gros. Comme le cercle. Toujours en chasse. Donc ça fait une chasse maudite. Ok, la chasse est finie. Et pendant la chasse, vous avez vu que ma lampe torche, elle éclaire 2 fois moins. Donc ça modifie... la luminosité de la lampe torche et ça part en chasse maudite instant, mais ça change pas la période de grâce. Ok. Question bête, mais est-ce que c'est possible d'avoir genre 2 miroirs? Non, c'est pas possible. Et on perd pas de santé mentale. Ok, donc l'utilisation en tout cas de ce vœu-là ne fait pas perdre de santé mentale, c'est bon à savoir. Ok, l'animation est méga stylée, ouais c'est vrai. Ok, donc ça c'est fait. Je vais essayer de reposer la même question, savoir si on peut avoir 2 fois le même vœu. Je pense pas. J'ai mis la perte de santé mentale à 0. En fait, j'ai pas mis le... Tutis, j'ai mis le fait de rester dans le noir ne te fait pas perdre de santé mentale. Mais normalement, utiliser un objet maudit te fait quand même perdre de la santé mentale. Tu vois? Ah, tu veux dire parce que j'étais à 73? Alors, il faut savoir que au tableau de l'activité, tu as ta santé mentale qui est de 75 et après, ça oscille à plus ou moins 2%. J'ai eu la photo, donc déjà on sait que c'est pas un fantôme. Donc est-ce que je peux refaire le même vœu? Vas-y. Je souhaite voir le fantôme. Donc c'est pas possible. Donc tu peux faire qu'une seule fois le même vœu. Je souhaite voir le fantôme. Ok. Ok, j'ai dit ok, mais c'est pas grave. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre comme vœu? On va se mettre en texte to speech pour voir. J'ai oublié les vœux qu'on a trouvés sur ce Nimido. On a
Ok, donc ça on l'a déjà fait. Donc si je clique dessus, ça marche pas. On a. Ok, ça on va tester. Donc ça, à mon avis, ça l'emprisonne dans sa salle. Je sais pas pendant combien de temps. On va du coup essayer de trouver sa salle, mesdames et messieurs, et de mettre des capteurs pour voir. Il est dans quelle salle? Où êtes-vous? Donnez-nous un signe. Ah, il est là. Il a l'air d'être là. Ok. On va aller chercher des capteurs. Tu as le livre. Comment ça, tu as le livre? Ah oui, c'est vrai qu'elles sont dans mon journal. Putain, je viens de passer 1 heure à essayer de les trouver. Elles sont là. Merci, chat. Pour mettre le texte, appuie sur échappe, option, et là tu choisis texte, Windows ou Voss. Voss, c'est un truc online. Windows, c'est, je trouve, c'est ce qu'il y a de mieux, mais il y a des petits bugs de temps en temps. Et texte, c'est si jamais t'as pas de micro, ça peut t'aider. Qu'est-ce que je voulais faire? Capteur. Non, la météo, je veux pas le faire. La météo, c'est facile, quoi. Ça change la météo. C'est pas très important. Alors. On a mis changement de pièce inexistant aussi, chat, hein, pour info. Voilà, comme ça on saura s'il sort de sa salle. Tac. Et on va essayer de voir combien de temps ça dure. Est-ce que c'est 1 minute, 2 minutes? Alors, on va attendre qu'il retourne dans sa salle. En attendant, je vais regarder ce qu'on a d'autre. Je vais éteindre mon micro quand même. Je souhaite être sain d'esprit. Je souhaite avoir de l'activité. Donc la première, on l'a fait. Est-ce qu'il est vraiment là, ce con? Ouais, il est là. Il est là. Ok. On est parti. Donc là, il est sorti de sa salle. Est-ce que ça va le faire retourner dans sa salle? Je souhaite que le fantôme soit emprisonné. Ok, donc quand t'es en texte, ça marche pas. Je suis désolé, hein. Je préfère passer en Windows parce que c'est plus fun. C'est plus fun de le dire. Je vais attendre qu'il sorte. Si tu lances un apocalypse en or avec la neige et que tu changes le vœu, ça valide le trophée, je sais pas. Ok, il est toujours dans la salle. Je vais attendre qu'il sorte pour voir si ça le téléporte en fait dans sa salle. Ah bah tu peux pas, si tu peux pas call le Goriot, mais là le but c'est pas de trouver le fantôme, c'est de. Ce serait bien qu'il sorte par contre. Allô? Le problème c'est que ça va être, tu vois, ça va être difficile à quantifier parce que le fantôme il sort un peu quand il veut, tu vois. C'est le problème. Ah oui, c'est vrai que t'as pas d'objet maudit en x15. Allez, sors! Thierry! C'est toi? Thierry? Elle s'appelle Thierry? Jean-Eudes? Non, ok, c'était une coïncidence. Bon, il veut pas sortir. Bon, on va faire un autre test. Tiens, qu'est-ce que ça fait ça? Ah non, ça c'est pour réanimer un mec. Donc ça, il faut qu'on teste, je pense, en multi. On va tester du coup. Je veux être sain d'esprit. Ok. Je veux être sain d'esprit. Qu'est-ce que ça a fait? Ça nous a enlevé 25%. Ça nous a enlevé 25%. Je veux être sain d'esprit, nous a enlevé 25%. Est-ce que ça te met à 50? Ok. Ça te met à 50. Oh. Donc peu importe ta santé mentale, ça te met à 50. Ok. C'est bon à savoir. Des bisous, Légis. Ok, bah c'est pas ouf du coup. sécurité, tiens. Qu'est-ce que ça fait la sécurité? Je souhaite être en sécurité. Je souhaite être en sécurité. The fuck? What the fuck? Calme-toi, Walls. Tu spoil un peu là, tu vas prendre une balle aussi. Hein. Enfin, c'est pas tu spoil un peu, tu spoil carrément quoi. Ah!
Ça a libéré une cachette, peut-être. J'ai pas fait gaffe. Ah, j'ai pas fait gaffe. Ah, peut-être que ça libère une cachette à côté de vous. C'est pas bête. Je souhaite avoir de l'information. J'ai plus de son. J'ai plus de son. Attendez, j'ai plus de son. Elle est toujours en chasse. Mais du coup, je suis pas en sécurité de ouf là. Sais pas où je suis. Allô? Bonjour? Spoilez pas, hein. Vous avez pas intérêt à spoiler. Je peux sortir. Ok. 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 Très bien. J'ai dit quoi déjà? Je souhaite avoir de l'information. Donc là, ça a enlevé tous les sons, sauf le battement de cœur. En fait, ça. Ah, attendez. Bonjour, madame. Ça va? C'est pour moi? Merci, tu dis bonjour? Allez, dis bonjour. Dis bonjour. Dis bonjour. Dis bonjour. Bonjour. Allez, file à l'école. Bisous, ma puce. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, la princesse m'a emmené des sandwichs dans un Tupperware. Elle m'a emmené des sandwichs. Putain, trop bien! Mais elle pense que je vais streamer pendant 14 heures, ça se passe comment? Alors attendez, peut-être qu'on a eu la mauvaise. Peut-être qu'en fait c'est du 50-50 et que je souhaite avoir de l'information, ça fait pas la même chose tout le temps. Donc là, apparemment, on n'a plus de son, on a notre vision qui est explosée. Et on a juste le son vite fait des bruits de pas et des bruits de cœur. Ok. On va repartir, on va retester. Ok, c'est pas mal. Je vais refaire, je souhaite avoir de l'information pour voir si on a la même chose. Je suis sur quel fuseau horaire? Je suis au Japon, mesdames et messieurs, pour ceux qui demandent. Alors, ah oui, j'ai même pas regardé si j'avais une preuve ou quelque chose, je suis trop con. Je suis trop con. On va retester, on va retester, on va tester en boucle. Hein. Ok. J'ai peut-être pris le problème trop large. Donc je vais être en sécurité. Peut-être que ça fait un truc par rapport aux cachettes. Faut qu'on teste. Je veux voir le ghost. Ça lance une chasse. Pourquoi je prends ça? On n'en a pas besoin. Je veux voir le ghost. Ça lance une chasse. Ok. Tac, donc là j'ai. Ok, là j'ai pas de cachette, je vais aller remettre le courant. C'était quoi l'autre? Je veux être sain d'esprit, ça te met à 50%, peu importe à combien tu es. Ok. Si on part du principe que le vœu. Putain. Si on part du principe que le vœu se réalise mais te donne une pénalité équivalente. C'est possible en fait. Je sais pas si, si le vœu se réalise ou pas, c'est comme le tarot et Wheel of Fortune par exemple. Ou est-ce qu'il y a toujours une contrepartie? Tu vois ce que je veux dire? Donc on va essayer de découvrir ça. Ok, la monkey po elle est là. Je vais y arriver à m'y faire, j'arrive pas à m'y faire. Elle est là. On va tester la cachette. Peut-être que le vœu se retourne contre toi. Ouais. Alors, j'ai les placards de prix ici. J'ai le placard de libre dans le garage. Et ici, j'ai un placard de libre. Ok. Et là c'est libre aussi. Alors attends. Si je dis ça, on va voir. Je veux être en sécurité. Ok, attendez, je l'ai peut-être mal dit. Je vais aller vérifier vite fait dans la cave. T'as raison, il y a une planque dans la cave aussi. Ok, donc il n'y a pas la planque. Alors, est-ce que ça va rajouter une planque du coup? Je souhaiterais être en sécurité. J'ai mal dit. Let's go baby!
C'est trop bien! Let's go! Oh oui! Oh, je dis oui! Je dis oui de ouf! Je souhaite être en sécurité. Ok, ça remarche pas, c'est normal. Par contre, ça casse. Donc là, en fait, ça libère une place, mais ça casse la lumière dans la salle. Oh, c'est excellent! C'est excellent! C'est excellent! Est-ce que ça fonctionne en chasse? Il va falloir qu'on teste, il va falloir qu'on teste. Donc ça, ok, on testera la partie d'après en chasse parce qu'on peut pas reposer la question. C'est quoi ces modos en carton? Attends, tu fais une supposition, on supprime ton message, je connais même pas le jeu. Alors, première règle de ce stream, tu mets pas en cause les modos. Des bisous. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Faut aller vous coucher, il y a école demain. Je voulais faire... donc là, ça, la sécurité, c'est fait. L'information, j'avais pas compris. Alors, attendez. Vous pouvez faire des suppositions, mais... il faut mettre peut-être un point d'exclamation, vous savez, faites en conséquence. Ou alors taisez-vous, hein. Taisez-vous, c'est bien aussi. On est parti, merci pour le follow, Bravador. Alors. Ah, attendez. Le fantôme, il est où? Le fantôme, il est peut-être garage. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? Ah, attendez. J'ai... Ok, à mon avis il est garage. À mon avis il est garage. Donc on va partir du principe qu'il est garage. Et on va voir ce que ça fait. On a aucune info sur la preuve, on a rien. Ok. Ok. On va se préparer à se cacher. Ok. Je souhaite avoir de l'information. Donc là j'ai plus de son. Là j'ai plus de son. Ah putain, j'avais mon micro d'activé. Oh, je suis débile. C'est l'autre là qui m'a mis en PLS. Oh putain, mais c'est trop bien! Lui en avait du son par contre. Putain! Waouh, waouh! Mais c'est trop bien! Ça t'enlève une preuve! Ça t'enlève une preuve! Waouh! C'est incroyable! Ok, bon, je vais pas le refaire du coup. On va refaire la sécurité pendant la chasse. Ça t'enlève une preuve! Mais c'est incroyable! Ça t'enlève une preuve. Il est incroyable cet objet maudit. Par contre, la contrepartie, elle est incroyable aussi, chat. Hein. T'as pas de son. Tu vois rien. En vrai, ça vaut... Enfin, ça vaut pas le coup, mais... Alors, attends. Ouais, c'est ça. Ça t'enlève la preuve. Et du coup, ça t'enlève tous les autres fantômes en même temps. Ok. Putain, c'est trop stylé. C'est trop stylé. Allez, on est parti. Ah bah j'aurais dû mettre le sprint à l'infini, c'est pas grave. On va tester du coup le coup de la cachette pendant la chasse. Est-ce que c'est possible ou pas pendant la chasse? Donc on a celui-là qui est fermé et on a celui-là qui est ouvert, ok. On va quand même vérifier toutes les cachettes au cas où. Ok, donc celle-là c'est fermé. Putain, c'est trop bien. C'est vraiment trop trop bien. Alors celle-là, elle est disponible. Donc pour l'instant, on a que garage et une dans le couloir qui sont fermées. Ok. Est-ce que par exemple en cauchemar, ça enlève une preuve que tu n'as pas? Bah, je pense que ça, Denko, je pense que c'est, je pense que ça t'enlève une preuve que t'as forcément. Là, on a la planque ici. Ok. Et là. Donc c'est pas un cauchemar déjà parce qu'il est allumé ici. Et là, ok. Donc on a un placard ici, on a un placard ici et un placard dans le garage. Ok. Est-ce que ça enlève forcément, est-ce que ça rend disponible la cachette auquel t'es le plus près? On va voir. Je ne sais pas. Des bisous à ceux qui vont se coucher, des bisous minous. Alors.
Ah ouais, mais attendez, je peux pas lancer de chasse. Attendez. Eh oui, je suis con, j'ai enlevé ma perte de santé mentale. On va se mettre en texte. On va se mettre en texte. Il y a sûrement moyen de lancer une chasse avec le texte. Avec la main. On va se mettre dans le garage. Il y a moins de chances qu'il soit dans le garage. Enfin, je peux louper dans le garage, quoi. Tac, tac. Alors, est-ce que je peux lancer une chasse avec ça? On va tester ça, tiens. Non. Actif. Je souhaite voir le fantôme. Ah bah attendez, je souhaite voir le fantôme, ça lance une chasse. Donc en fait, ça va. Le problème, c'est qu'après, on va plus rien voir. Ok, ça, on verra plus tard. Le temps, je sais pas ce que c'est. On va faire voir le fantôme, et comme ça va lancer une chasse. Et ensuite, on va tester la sécurité. Ok. On va enlever le text to speech, par contre, parce que bon, text to speech en, en chasse, non, voici. C'est trop bien qu'on puisse changer comme ça, d'ailleurs. Alors, on est bon. On est bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais le faire dans la cuisine. Je vais le faire dans la cuisine, comme ça j'aurai le temps de partir là-bas et de tester. Donc la phrase, c'est je souhaite voir le fantôme et ensuite je souhaite être en sécurité. Merci Normand pour vos follow, merci Jim pour le sixième mois. Je souhaite voir le fantôme. Là, je me casse. Je souhaite être en sécurité. El Matador. Mais c'est incroyable! Je suis. Non, mais je suis Thanos, mesdames et messieurs! Let's go, baby! Ah, oh, c'est stylé! C'est trop bien. Je souhaite sortir. Attendez, ça a ouvert la porte? Peut-être que ça a ouvert la porte. Je me suis dit, je vais essayer. Je me suis dit, peut-être que ça me téléporte à l'extérieur, mais ça me téléporte pas à l'extérieur. Attendez, je souhaite sortir. Ça ouvre la porte pendant la chasse? Attendez, on va retester. Oh, mais c'est trop bien! Attendez, c'est trop bien. Donc, j'ai testé la sécurité. J'ai testé le fait d'être en. C'était quoi? Partir, je sais pas encore. J'ai testé la chasse. Ok. Le Saint-Esprit, on s'en fout. Donc ça c'est en multi, faudra le faire en multi, chat. La sécurité c'est fait, je souhaite partir, je sais pas. Et là on va refaire l'information pour voir. On va faire la neige d'abord. Je souhaite qu'il fasse beau. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est trop bien. Ok, donc là on va se cacher. Je souhaite avoir de l'information. Donc là on n'entend rien. Je vais essayer d'aller vers la porte et de voir si elle est ouverte. Non, je pense pas. Ça doit être qu'une seule fois, on testera la game d'après. Incroyable ce truc. Je sais même pas si je vais mourir, on n'entend rien. On n'entend rien. Je vais regarder si on a perdu de la santé mentale. Ouais. On n'entend rien. En vrai, c'est un énorme intérêt. Tu as raison, Pretty mec. C'est un très gros intérêt sur le campement. Tu as tout à fait raison. Si jamais t'as le brouillard et tout. Ok. Chat, rappelez-moi, il faut qu'on teste la porte pendant la chasse, la game d'après. Mort? T'es mort, Sanka? Ok. Attendez, je vais tester vite fait. Hein. Donc on voit plus rien. Putain, on dirait une pochette d'album, quoi. Ok. Est-ce que j'ai perdu de la santé mentale? J'ai perdu 25%? J'ai perdu 25. J'étais à 75, on est d'accord?
Donc j'ai peut-être perdu 25% de santé mentale. Je sais plus si j'ai pris un événement paranormal, mais je suis pas sûr. Comment tu vas? Oui. Merci pour les follow, hein. Merci énormément, ça fait grand plaisir. Ok. Ah, par contre, hey, le malus, il est monstrueux, par contre, hein. Oh, tu vois rien! Tu vois tellement rien, t'as plus de son. Ça a pas l'air d'avoir bougé ton sprint. Est-ce que ça l'enlève si on prend des pilules? Ça l'enlève pas du tout. On a le MF5. Ça l'enlève, mais alors pas du tout. Le journal, c'est ça. Ah oui, je souhaite voir le fantôme, ça peut compter comme un event. Ouais, t'as raison, Wall. Tu pourrais essayer de faire le vœu, je souhaite vivre, et te laisser mourir pour voir. Oui, c'est vrai, tu as raison. Mais tu as tout à fait raison, Tizi. J'y avais pas pensé, pas besoin d'être en multi. Tu as tout à fait raison. Mais je crois que j'ai plus de vœux. Donc on va partir. Tout à fait raison. Ok. Donc peut-être que le fait de voir le fantôme, ça nous enlève de la santé mentale. En vrai, je sais pas. Vas-y, Anony, mais j'en sais absolument rien. Par contre, c'est violent, hein. Mais par contre, ça veut dire qu'en Insanity, t'aurais la preuve directe. Mais c'est chaud quand même, hein. Le malus, c'est trop important. C'était une ombre. Le malus, c'est beaucoup trop important. Je suis d'accord avec toi, Shredder. Beaucoup trop important. YouTube, on continue. Cette vidéo sera très longue, mais merci du soutien avec la pub. Alors, on reste sur la... On va aller sur la Willow. Tu sais quoi? On va changer, on va aller sur la Willow. On sait même pas où elle est, sur la Willow. Et on est parti? On est parti. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on teste? Il faut qu'on teste si la porte s'ouvre pendant la chasse. Il faut qu'on teste... Il faut qu'on teste ce que t'as dit là. Essayer de faire le vœu de vivre et de mourir. Oh, j'adore, il y a trop de tests, j'adore. Mesdames et messieurs, je suis désolé, le stream va s'arrêter dans pas très longtemps. Mais demain, demain on recommence. Demain 22h, je suis encore là et on reteste. Ah, emprisonné pendant la chasse, c'est pas bête. C'est pas bête aussi, Francky, t'as raison. Il y a plein de tests à faire. Alors. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas d'objet maudit en Insanity, je suis con. Alors, elle est où? Est-ce qu'elle est aussi dans une armoire, tiens? Non, elle est pas dans l'armoire. Okay. Merci beaucoup pour le 7e mois, Watan. Merci Angelus pour le 6e mois également. Est-ce qu'elle est dans l'armoire ici? Oui! Ok! Donc elle est souvent dans l'armoire. Peut-être pas tout le temps, mais elle est souvent dans l'armoire. On allume. Alors. On va tester l'area d'abord. Alors attendez, c'est quoi la phrase de l'area déjà? Ah oui. Ouais, mais attends, c'est quoi la contrepartie aussi? C'est ça qui est ouf. On connaît pas la contrepartie. J'ai d'abord testé pendant la chasse. J'ai d'abord testé pendant la chasse. Je vais me mettre là-bas. Comme ça, le fantôme me verra pas. Je vais me mettre ici. Et puis comme ça, on verra si ça enlève de la santé mentale. Je souhaite voir le fantôme. Je souhaite voir le fantôme. Je souhaite sortir. Chou. Oh oui! C'est trop bien! Excusez-moi. Je suis désolé, j'ai crié un peu fort, mais... Putain, mais le son du jeu est méga fort, en fait, vous me l'avez pas dit. Ça fait 2 heures que le son du jeu est méga fort. Mais c'est trop bien! C'est trop trop bien! Alors, est-ce que j'ai perdu de la santé mentale avec le... Spoilez pas dans le chat, attention. Donc j'ai pas perdu de santé mentale. Donc c'est pas ça qui m'a fait perdre de la santé mentale tout à l'heure. C'est pas le fait de voir le fantôme. Ok. Non, le son du jeu était un peu trop fort. Là, il est mieux maintenant. Ok. Ok, ok. On va tester. Je veux être en vie. Ah, mais c'est cheaté. C'est cheaté. Le jeu doit sortir, il est cheaté. J'aime beaucoup. Alors. Ouais, mais attends, il y a des contreparties de taré aussi. Hein. Il a coupé le courant. En fait, la contrepartie du coup de sortir, ou alors de voir le fantôme, c'est que ça coupe le courant, ça éteint toutes les lumières, t'y vois aussi beaucoup moins. Donc c'est plus violent qu'un cercle d'invocation. Hein. Pourquoi il y a un PC? Il était là-bas le PC? C'est un bolter. Ok, alors attendez, je vais tester. C'est quoi la contrepartie de je souhaite être en vie? Je souhaite être en vie. Quoi? Ah mais c'est parce que je suis pas mort. Donc t'es obligé d'avoir un collègue mort peut-être. Tu peux pas le faire à l'avance. Je souhaite être en vie. Tu peux pas le faire à l'avance si t'es en solo. Ok.
Donc ça, on a la réponse. Ok, je sors, je vais voir ma santé mentale. En étant mort, je pense pas que tu puisses prendre la main. Tu jettes tes objets instantanément. Ouais, je sais, Tintin, je sais. Donc là, j'ai pas perdu de santé mentale, ok. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais réessayer l'information pour voir si ça nous fait perdre de la santé mentale. Et je vais essayer pendant la chasse, je souhaite être... Ah ben non. On fera ça après. Demande du fric? On va lui demander l'activité. Je souhaite avoir de l'activité. Ok, ça ferme la porte. Ça coupe le courant. Attendez, ça ferme la porte, ça coupe le courant. Il a pas l'air plus actif. Après, je sais pas où est sa salle, j'ai un peu fait de la merde. Donc il a cassé le courant. Je vois, j'entends pas d'interaction. Donnez-nous un signe. Donnez-nous un signe. J'ai entendu un truc là-bas. Alors peut-être que ça double. Ok, c'est fermé. Peut-être que ça double le taux d'interaction. Mais après, ça dépend quand même du fantôme, tu vois. Il a l'air d'être par là. Hein. Regardez, il a bougé ça. Où êtes-vous? On a la glaciale. Je souhaite sortir. Ah, c'est dommage que ça marche qu'une fois. Ok, je peux toujours pas sortir. Donc on doit être bloqué pendant 1 minute à l'intérieur et ça doit doubler pendant 1 minute. Mais en contrepartie, ça casse le courant. Ok. Qu'est-ce qu'on peut lui demander d'autre? On va se mettre en texte. On va se mettre en texte. On va tester d'autres trucs. Oh, c'est tellement bien. Donc il a l'air d'être par là. On a la glaciale d'ailleurs. Alors. Donc ça, on l'a déjà fait. Ça marche plus. Ça, on l'a déjà fait. Ça marche plus. Emprisonné, on l'a pas fait. Mais il nous faut les capteurs. Saint d'esprit, ça nous met à 50. Être en sécurité, on l'a déjà fait. Je souhaite partir, on l'a déjà fait. Non, sécurité, on l'a pas fait, mais on l'a déjà testé, je veux dire. Et le temps, c'est pour changer. L'information, réanimer mon ami. Vas-y. Ok, donc. En fait, c'est ça, ça marche pas. Ok. Donc, réanimer, faut être en multi, ça marche pas en solo. Donc, la porte est rouverte. On va chercher des capteurs. Des bisous, dudes. Avec un polter, ça doit être pas mal, du coup, ouais. Mais l'activité, ouais, c'est pas, ça a pas l'air très utile. Ou alors on n'a pas de chance, on est vraiment tombé sur un fantôme qui fait rien. On va prendre du sel, parce que le sel, c'est quand même une des meilleures façons de voir si le fantôme sort. En plus, il est dans une petite salle, donc c'est cool. La main fonctionne pas si tu l'as pas en main. La main fonctionne pas si tu l'as pas en main. Alors. Il peut pas changer de salle, hein, je vous rappelle. Donc il est forcément ici, parce que la glaciale, je l'ai là, je crois. Allez, mets-moi la glaciale, s'il te plaît. Ah non, je l'ai pas ici. Je l'ai dans le couloir. Ah merde, je crois que je l'ai dans le couloir. Allô? Mets-moi la glaciale, please. Oh putain, quand tu veux la glaciale, on sait qu'elle y est en plus. Quand tu la veux, il te la met pas. Allô? Mais elle est où du coup? Elle est couloir ou... À chaque fois que je sors, il la met. Ou que je rentre. Ah, ok, elle est là. Putain, c'est fou quand même. Des bisous. Citrouille, des gros bisous. Merci pour les follow. Des bisous à tous les gens de l'ombre aussi. Alors, du coup, on va se mettre un capteur ici. Un capteur là. Et on va mettre du sel ici. Et du sel ici. Voilà. On verra ce que c'est la contrepartie. Alors attends.
Il est où? Il a fait bouger un truc là. Il a fait bouger le PC. Donc je veux qu'il retourne dans sa... Ouais. Attendez, hein, j'arrive. Je veux juste que le fantôme sorte en fait. Ok, il a touché cette porte là. Je souhaite que le fantôme soit emprisonné. Je souhaite que le fantôme soit emprisonné. Ah mais je suis en texte, putain, je suis con. Ça ferme toutes les portes? Ça ferme toutes les portes? Ça ferme toutes les portes? What? Attendez, faut qu'on teste pendant la chasse! Holy shit! Ça bloque toutes les portes! Mais c'est trop bien, on l'a vu passer là-bas. Ah non, c'est un reflet? Oh la dingue! Mais c'est moi qui ai emprisonné! Attendez, faut voir si ça marche en chasse. Non mais attendez, non mais attendez, attendez. Mais c'est une dinguerie, ça force les gens. Ok, il est dans sa salle, regardez. Est-ce que le téléphone est ici? Ah, il est sorti ou c'est moi? Non, non, c'est moi, c'est moi. Ok. Ça déclenche une chasse. Il est rapide. Il est rapide? Ça a l'air de déclencher une chasse. Donc le fantôme est emprisonné. C'est un yokai? Attends. Non. Allô? Allô, allô, allô. Allô, allô. C'est pas un Raichu. Merde. Ok. C'est un taillé. C'est un taillé. Je pense que c'est un taillé. Il a pas accéléré. Taillé ou en tout? Ah, taillé ou en tout? Ah non, c'est un en tout. Il doit être rapide dans sa salle. J'ai pas fait gaffe. Donc attendez. Bah du coup on va retester. Qu'est-ce qu'on a d'autre à tester? Donc ça on a fait. Partir on l'a fait. La formation on l'a fait. En fait on a tout fait. Ok. Donc emprisonné, faut juste qu'on le tente pendant la chasse. Non, c'est pas un revenant. Et ça nous enlève pas de santé mentale. Parce que moi j'ai perdu 10%, mais parce qu'on s'est pris un événement paranormal. Ok, le temps c'est pour changer le temps. Regarde, je vais te montrer. Ok. Donc on va tenter pendant la chasse et on aura tout testé, je pense. Après, je vous laisserai me dire si vous avez des idées. Regardez, on va faire le temps. Je souhaite du brouillard. Voilà, c'est trop bien. Je trouve ça trop bien. Ouais, réanimer, il faut le faire en multi, mais à mon avis, il n'y a pas de, y a pas de... Il faut voir ce que c'est le coup... Le... Oh, je souhaite changer le temps, ça vous enlève 25% de santé mentale. Ça vous enlève 25%, j'étais à 65, on vient de le voir. Donc changer le temps, c'est pas gratos. Ça vous enlève 25% de santé mentale. Attention, ça. Attention, attention. Ok. Ok. Ça peut être les jumeaux ou l'entou en vrai. Ou le Moroï, c'est vrai. Ah, le Moroï. Je reste sur l'entou, c'est pas grave. Imagine Nilouen avec la main dans un tournoi. Bah ouais, t'imagines le truc? C'était bien un entou. El Matador. Alors attendez, il faut qu'on teste l'emprisonnement pendant. On va faire ça sur une Tangle, ça va plus. Au niveau des portes. On va faire ça sur une Tangle, ça va être plus simple pour louper. On va faire ça. Let's go. Putain, j'adore. Si t'as 0% de santé mentale, tu peux quand même changer le temps. Je crois pas. Il faut qu'on teste. Il faut qu'on teste. Laissez-moi juste tester ça. Et après, on fait les tests des viewers. Et après, on dit au revoir à YouTube. En tout cas, mesdames et messieurs, un excellent objet maudit. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais je le trouve excellent. Excellent.
Moi, je pense qu'il marche pas à 0% de santé mentale. Comme tous les autres, en fait. Bonjour. Peut-être pas le meilleur. Mais excellent, en tout cas. Pub. Oui, je sais, Trix, c'est marqué dans le chat. 5 sur 5, ouais. Alors, pendant la chasse. Pendant la chasse. Donc, on va se mettre ici. On va faire... Attendez, comment on va faire? On va lui demander d'apparaître ici. Ok. Ensuite, on va courir dans la cuisine et on va fermer les portes. Et calme-toi. Non, Lazou. Ah ouais, mais du coup, j'ai plus de lumière. Putain, il fait chier. Alors, c'est quoi déjà les phrases? C'est... Je veux voir le fantôme. En fait, c'est moi qui ai bloqué. Quoi? Ça marche pas pendant la chasse. Louper le fantôme sans le voir, quel bonheur. Ça marche pas pendant la chasse. Ok, ça marche pas pendant la chasse. Je me suis trompé ou je l'ai bien fait? En fait, tu peux pas. Ça marche pas pendant la chasse. Ça te nique un vœu, en fait. Ça te nique un vœu. Ok. Donc en fait, ça sert à rien. Ça sert absolument à rien pendant la chasse. C'est comme le tarot. Quand tu tires une carte de tarot pendant la chasse, en fait, ça annule la carte en cours. Tu sais, avec The Fool. Ça a l'air de faire la même chose sur ça. Ok. Et par contre, si je le fais maintenant... Là, ça devrait marcher. Non, ça marche pas. Attendez, ça le fait bugger? What? Attendez. Est-ce que ça a fait bugger? Attendez, on va relancer la game. Est-ce que ça veut dire que ça bug? Si tu le fais pendant la chasse, ça bug? Attendez, on va voir. Peut-être qu'il considère que je l'ai déjà utilisé, mais pourquoi il me permet de le refaire alors? Puisqu'on a vu qu'on pouvait faire qu'une seule fois un vœu. Putain, je pensais que cette vidéo allait être finie, YouTube, et au final, il y en a plus de questions maintenant. Comment tu vas, Toya? Tu vas bien? Alors attends, on recommence, hein. Putain, j'adore faire des tests, mais j'avoue que là, c'est long. C'est peut-être le texte. On va passer en vocal pour voir. On va passer en vocal, t'as raison. C'est peut-être le texte. On va passer en vocal. Est-ce qu'on réessaye pendant la chasse ou on le tente direct? Une fois tous les vœux, fais une belle patate. Ouais, c'est ça. Alors. Tu peux tester, s'il te plaît, s'il y a un monde où quand tu demandes d'être sain d'esprit, ça cancelle le debuff du souhait de l'info. Oh, c'est pas bête. Je pense pas, mais c'est pas bête. Bah ça va très bien. Pourquoi tu t'es fait réveiller en sursaut? J'ai pas crié pourtant. Alors. Vas-y, on va tout fermer. Je vais tenter direct, ouais. Écoutez, je vais tenter direct, on verra. Donc c'est peut-être bugué pendant la chasse. Je souhaite emprisonner le fantôme. What? Bah attendez. Attends, what? Alors ça peut... On va... Attends, c'est peut-être la tangle. Ou alors c'est du 50-50. Je souhaite emprisonner le fantôme. Donc tu peux pas le refaire. Mais tu peux pas le refaire. Attendez, si je passe en texte, je peux le refaire?
Non. Donc si tu le fais pendant la chasse, c'est buggé. Ok, donc ça doit être des bugs, ça doit être des bugs. Il va y avoir un patch. C'est peut-être juste la map qui bug. Mais non, mais tout à l'heure, là les portes sont bonnes. Ah non, c'est que sa salle! Ah mais je suis con, c'est que sa salle! Mais c'est pour ça que tout à l'heure ça a fermé en fait toutes les portes. C'est parce que c'était toutes les portes qui étaient reliées à sa salle. Et il lance une chasse. En fait, c'est ça! Je souhaite sortir. Ah, ça te bloque! Ok, donc tu peux pas le faire comme ça. Ça te bloque! Donc je souhaite sortir, ça te stun pendant 5 secondes. Donc il faut le faire à l'avance. Ok, c'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Ok. Mais du coup, ouais, du coup, en fait, il faut qu'on reteste pendant la chasse. Donc en fait, c'est pas un bug. Sauf le fait de l'avoir fait pendant la chasse tout à l'heure, c'est, je sais pas, c'était bizarre. On va recommencer. Les malus sont bien foutus. Les malus sont assez bien foutus, je suis assez d'accord. Ceci explique pourquoi la porte d'entrée était ouverte tout à l'heure. Exactement, John. J'avais aussi remarqué que la porte d'entrée était restée ouverte. Tu as tout à fait raison. Donc il faut qu'on trouve où est le fantôme, qu'on lance la chasse et qu'on voit si ça l'enferme pendant la chasse ou pas. Moi, je pense pas. Le ralenti est dangereux, ouais. Le ralenti de 5 secondes est dangereux. T'es quand même obligé de... Et puis tu vois que ça t'enlève un peu la vision. Donc t'es quand même obligé de faire attention, ouais. C'est bien pensé. C'est bien pensé, le petit stun, là, de 5 secondes. Ok, il a ouvert... Ouh, attendez, il a ouvert la porte... Je dirais une nursery. À cause des voisins du dessus qui font des travaux, quoi? Faut aller les fumer. Alors. Ah, c'est la... C'est peut-être la porte du placard. Alors, attends. Et je pense que c'est ici. Ça a l'air d'être là. Ah, peut-être pas. 8. Attendez. 9. C'est peut-être pas ici. Peut-être couloir. Ah, du coup, si c'est... Ah non, c'est ici qu'il a touché la porte. Mais attends, il se fout de ma gueule. Ah non, c'est le placard là? Ah, c'est le placard là, je suis con. C'est le placard là. Je suis désolé, je suis fatigué. Ok, donc il lance dans cette pièce. Donc normalement, si on utilise le truc, cette pièce devrait rester ouverte. Celle-là devrait se fermer. Ok. Et si les couloirs, ça ferme toute la baraque? De ce que j'ai compris, de ce qu'on a vu sur la Willow, tu vois. Putain, c'est trop bien. Ah, mais c'est trop bien, chat. Après ce test, on va s'arrêter, on continuera les tests demain. Je commence à fatiguer, puis j'ai énormément de montage à faire sur ce qu'on a fait ce soir. Ok. Des bisous, les Cody. Voilà, revenez demain. Doudoudoudou. Alors. À mon avis, ça le bloque pas, parce qu'en fait, tu vois, sur Sunny Meadow, t'as les portes qui se ferment des ailes, et le fantôme est pas bloqué, donc à mon avis, ça le bloque pas. Des bisous, Tutis. T'as 4 heures de dodo devant toi? Putain. Alors, on va lui. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on demande la chasse d'abord? Donc la chasse, c'est. Merde, c'est quoi déjà la chasse, chat? J'ai oublié la phrase. Je souhaite voir l'entité. C'est je souhaite voir l'entité. Et l'autre, c'est je souhaite emprisonner l'entité. Ok. Je souhaite voir l'entité. Il est pas là. Ah, mais non, il est pas là, putain. Oui, merci. Ah, je suis fatigué, excusez-moi. C'est vrai qu'il est pas là. Alors. Tac. Tac. Mon micro. Je sais, mon micro. Il est ici, hein. Il est... Attendez, je suis rebou. Il est où, chat? Je suis rebou. Il est dans la chambre. Excusez-moi, je suis fatigué. J'ai dormi 4 heures. Il est là. Il est là. Ça y est, je vais y arriver. On est parti. Il y a un moment, ouais, il faut faire une pause. Ah oui, les nouveaux effets de gouttes. Ils en avaient parlé. Ah, j'aime bien, ils sont stylés. Ils sont un peu pixelisés, mais ils sont stylés. Ils sont stylés. Alors, il est là. Je souhaite voir l'entité. What? Ça a pas marché?
Ça a pas marché? Attendez, c'est pas du 100%? Ben j'ai dit entité et pas fantôme, ça m'a quand même validé mon souhait, mesdames et messieurs. T'as regardé dehors, donc ça la spawn dehors. Mais n'importe quoi. Ça la spawn dehors. Salle de bain, je pense pas. Non, 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 parce qu'il a pas attaqué. Normalement, il attaque en fait quand il se montre. Je souhaite voir le fantôme. Je souhaite emprisonner le fantôme. Bon, ça l'emprisonne pas du tout. Pas du tout, je vais essayer de le louper un peu dans le noir. Alors, je vais peut-être mourir, mais je m'en fous, je veux voir si sa porte est fermée quand même. Sa porte est pas fermée. Donc ça marche pas pendant la chasse. Donc là, on fait ça. On passe en text-to-speech. Ça marche pas pendant la chasse. Bon, là, je suis mort. Ah, mais j'avais mon micro. Attends. Je souhaite sortir à pas marcher pendant la chasse, là. Attends, mais il y a des fois ça marche, il y a des fois ça marche pas, je comprends pas. Le timing était mauvais. Non, le timing était pas mauvais, j'ai cliqué dessus. En fait, apparemment, si tu dis je souhaite quelque chose, ça te bouffe le souhait, mais ça fait rien. Mais du coup, le text-to-speech, ça sert à rien. Tout à l'heure, on a testé, on a bien pu sortir pendant la chasse. En fonction de la santé mentale, non, puisque ça te fait pas perdre de santé mentale. D'ailleurs, on va tester ça, tiens. On va se mettre à zéro. Et on va tester. On va tester si on perd de la santé mentale. Si on peut s'en servir ou pas. Chasse maudit empêche la sortie. Non, on avait testé tout à l'heure. Non, 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 non. Non, non, non. On avait fait une chasse maudite. On l'avait testé. Ça marchait très, très bien. En vrai, s'il spawn dehors, ce serait ouf. Ça fonctionne pas quand t'es dans une cachette, peut-être. On l'avait fait tout à l'heure. On l'a fait sur la Willow même. Je m'en souviens. Vous en souvenez, chat? Vous étiez là. On l'a fait sur la Willow. À mon avis, c'est peut-être pas du 100%. Hein. C'est peut-être pas du 100%. Je vous rappelle que dans 2 semaines, ils vont nous dire... Ah, j'avais oublié que j'étais à 0, je suis con. Bon, bah, je suis mort. J'avais oublié que j'étais à 0. Ah, j'ai peut-être de la chance. Ah, j'ai de la chance apparemment. Je voulais tester quoi déjà, chat? Ah oui, si je peux m'en servir. Ah, j'ai pas de chance. Non. Ah, j'ai pas de chance. J'ai oublié que j'étais à 0, excusez-moi, j'ai oublié de prendre un encens. J'ai oublié de prendre un encens. Paf, 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 et paf. C'est trop bien que ça mette le matos automatiquement, ça c'est trop bien. Des bisous, chérie Force. Tu te lèves à 6h. Waouh, dur. Dur, dur, dur. Je le sais, hein, je le fais tous les jours. Mesdames et messieurs, c'est le dernier test. Je crois qu'on a à peu près tout testé. On fera d'autres tests plus en détail une prochaine fois. Donc attendez, je suis à 0. Donc mon but, c'est de tester est-ce que je peux m'en servir. Je vais attendre qu'il chasse et je vais voir si je peux sortir de la maison. Ok? J'aimerais bien allumer le courant vite fait. Yes. Ok. S'il te plaît, pas un fantôme qui va vite. Ok, on attend qu'il chasse. Marché là. Allô, allô, allô.
Allô, allô, allô. Allô, allô. Allez, viens, viens, viens. Allô, allô. Allez, viens. J'ai envie de voir un truc. Allez, viens, viens, viens. Allez, viens. Non, mais c'est pas possible, ça. Oh, fantôme. Oh, le fantôme de merde. Bon, bah, ça marche pendant la chasse. Donc, peut-être que c'est pas du 100%. Ou peut-être que. Peut-être que ça marche pas dans les cachettes. En tout cas, ça marche quand on est à 0% de santé mentale. Donc, du coup, si je dis je veux être sain d'esprit, qu'est-ce qui se passe? Elle est où ma monkey poo? Je vous rappelle qu'on est safe pendant 1 minute 30. Elle est là. Je souhaite être sain d'esprit. Ah, mais non, je suis en texte, putain. Donc là, j'ai dû passer à 50%. Ok, je suis à 50%. Donc ça nous remet à 50%. Par contre, je vois pas ce que c'est le malus. Il a allumé la lumière. Je vois pas ce que c'est le malus là. Qu'est-ce qu'on teste d'autre vite fait? Bah c'est tout, hein. L'information? Ouais, l'écran a terni un peu. On va tester l'information, attends. Je peux me cacher là. Merde. Active, tiens. Vas-y. Ça a lancé une chasse. Tout à l'heure, ça avait pas lancé une chasse. Je me demande comment la main se comporte si tu le fais comme le tarot. À l'extérieur, ouais, j'avoue. Vas-y. Est-ce que je tente l'information là? Vas-y. Elle est où l'information? Là. Ok, donc en fait ça marche pendant la chasse. Et c'est ça, je comprends pas. Donc l'objet maudit, donc la monkey paw est un objet maudit qui marche pendant les chasses. Peut-être que vu que je suis à zéro, peut-être que ça a trigger une chasse de lui demander d'être actif. C'est possible. Ok. Le Saint-Esprit ne soit. Non, bah non, ouais, j'ai déjà fait. Là, c'est normal. Hein. Votre écran est noir, c'est pas le jeu qui a planté. Hein. C'est normal. Donc, ça enchaîne. Si, ça enchaîne sur une autre chasse. Ah non, il est plus en chasse. Et je peux sortir. Ok. Je vais faire un dernier test avant de finir cette vidéo YouTube. Un tout dernier, dernier, dernier test. Donc on est toujours à 50, ça c'est normal. Je vais partir. Je vais demander une information au fantôme. Et ensuite je vais demander à être sain d'esprit pour voir si ça enlève le fait d'avoir l'écran tout noir comme ça et plus de son. Ok. J'étais à 50%, ouais. J'étais à 50% parce que j'ai fait normal, j'ai fait être sain d'esprit. Donc c'est normal, chat, c'est normal, hein. Y a rien d'anormal. C'est normal. C'est normal, c'est normal. Allez, dernier test. Et puis on recommencera demain. YouTube, n'hésite pas, hein. 22h sur Twitch, t'as le lien dans la description. Fais-toi plaisir. On peut pas faire plusieurs fois fin d'esprit, je crois pas. C'est vrai que j'aurais pu essayer, mais. Essaye la bougie, comment ça la bougie? Merde, je suis pas à la planque. Moroi taillé. Jumeau. Il est trop rapide pour les jumeaux. Moroi taillé. Faudra voir s'il accélère. Et c'est la bougie quand tu demandes l'info. Bah c'est pareil, hein, c'est juste l'écran qui est noirci, tu vois. Imagine les nouveaux joueurs quand ils vont comprendre cet objet. Non mais à mon avis ça va être une des vidéos les plus recherchées le tuto sur la Monkey Paw, hein, parce qu'il est compliqué le truc. Hein. Donc là t'as cette vidéo découverte qui va déjà vous donner un bon truc, mais il va falloir que je fasse un Phasmo Memo dessus ou un tuto ou quelque chose. Alors on va faire l'information. L'information.
On va se mettre dans le placard, c'est quoi? On va fermer le placard direct. Vrai que ça peut être un en tout aussi. Donc là, on attend. Le problème, c'est qu'on n'entend pas. C'est très dangereux. Il faut chronométrer en fait. On n'entend pas. On n'entend pas. Une chasse, normalement, ça dure 50 secondes, une chasse maudite en pro. Là, on n'entend pas. Est-ce que vous pensez que si plusieurs personnes utilisent le pot, on peut réitérer un vœu déjà fait? C'est une bonne question. Je vous laisserai tester en multi. Ok, je l'ai entendu marcher. Je vais faire le Saint d'Esprit là. Saint d'Esprit. Vient de faire un événement. Je sais pas où je suis. Donc j'ai demandé le Saint-Esprit. Donc ça enlève pas la malédiction. Par contre, ça a dû me mettre à 50%. Ouais, voilà, tu vois. Ça enlève pas la malédiction, mais ça m'a mis à 50%. Ok. Bon, bah écoute, le Saint-Esprit te met à 50%. Est-ce qu'on peut le faire plusieurs fois? Je vais tester. J'ai l'impression que non. Non, non, tu vois, on peut pas le faire plusieurs fois. Il vient de me faire un événement paranormal. Ok. Bon, bah écoute, je crois qu'on a à peu près tout fait. Je commence à fatiguer, donc on va s'arrêter là. Je suis à 40 parce qu'il m'a mis un événement. Prendre des pilules, ça change rien. Allumer une bougie, il y en a qui voulaient que je le fasse. Ça change rien. Ouais, non, t'es baisé, quoi. Oui, les fantômes barrés dans le cahier. Oui, c'est vrai, mais on l'a déjà fait, Hurricane. On l'a déjà fait, tu arrives en retard. C'est ouf, preuve. On l'a déjà fait. Bah, je crois qu'on est bon. Sécurité, ça change rien. Souhaite partir, ça change rien. Ça aurait été pas mal. Alors, il y a peut-être une façon de le cancel, mais on n'a pas encore trouvé. Donc, on verra. On fera peut-être des tests. Mais je pense qu'on a à peu près tout fait, chat. On a un peu tout testé. Je vais refaire le temps pour voir si ça relève vraiment de la santé mentale. Je peux vivre, il marche pas parce que je suis en solo. Tu vois? Le temps, on va mettre le soleil. Là, ça le fait. Il a chassé. Donc, on a bien la preuve qu'on perd de la santé mentale s'il a chassé. Parce que normalement, le temps ne déclenche pas une chasse. Il est lent, là. Il a changé de vitesse. C'est peut-être un mimique. Elite, merci beaucoup pour le 9e mois, Elite. Merci beaucoup. Le tailler, mais j'étais pas dans sa pièce. Vivre fonctionnait pendant une chasse. Non, parce que tu lâches tes objets. Au moment où tu meurs, je vous l'ai déjà dit, tu lâches tes objets instantanément. Donc tu peux pas. Bisous, Alta. Toujours en chasse. Je l'entends. Et il est plus en chasse. Et c'est. Et le coup du son. Le coup de la vision, tu vois, je peux comprendre. Le coup du son, par contre, c'est abusé. Hein. Ah oui, c'est un morage, j'ai repris de la santé mentale, je suis con. Donc ça enlève 25%. Donc j'étais bien à 65. Donc demander le temps à la Monkey Paw, ça enlève 25%. Et ça marche pas à l'extérieur. Ok, bon, bah je crois qu'on a fait à peu près tous les tests, mesdames et messieurs, on est bon. Il n'y a plus qu'à se barrer. Et puis voilà, YouTube, tu me diras ce que t'en penses. Petite vidéo d'une heure. Petite vidéo d'une heure. Écoute, on a testé plein de trucs. Je suis sûr qu'il y a quelques trucs évidemment qu'on n'a pas testé, mais je pense qu'on a quand même découvert en globalité le plus gros de la Monkey Paw. Donc un gros, en gros, quand tu lui demandes de se montrer, ça fait comme le cercle, ça lance une chasse. Quand tu lui demandes de changer le temps, tu perds 25% de santé mentale. Quand tu lui demandes de vivre, bah, ça doit faire revivre ton collègue. Hein. Moi, je ne l'ai pas essayé, etc. Quand tu lui demandes des informations, tu as vu, ça t'enlève tous les sons, mais ça te décoche une preuve. Donc ça, c'est cool. Et puis, ça t'enlève aussi pas mal de vision. Moi, je trouve que c'est pas worth. Hein. Je préfère chercher la preuve moi-même et prendre des pilules. Saint d'esprit, ça te met à 50% de santé mentale, peu importe que tu sois à 100%, 0%, 20%.
Et puis voilà, après il y a d'autres trucs qu'on a testés. Tu peux sortir pendant la chasse avec le truc. Alors il n'a pas marché quand j'étais dans le placard. Je sais pas trop pourquoi. Écoute, peut-être que tu as une chance sur deux. Mais moi, je pense quand même que c'est un petit bug. Parce que les vœux ont l'air de marcher quand même à 100%. Mais peut-être pas, c'est peut-être 75, 80, on ne sait pas. Bref, n'hésite pas à partager, commenter, liker. N'hésite pas à venir nous rejoindre sur Twitch. T'as tous les liens dans la description. Je suis généralement en live tous les jours, sauf le lundi et le jeudi, à partir de 22h. Des bisous YouTube.